La grande sagesse des Québécois, ça a été de pas essayer de dominer l'hiver, parce qu'on ne dominera jamais l'hiver. Faut vivre avec l'hiver. On vit au Québec. L'hiver est là. Tu te chicanes ou tu l'acceptes, puis tu essaies de rendre le mal le moins pire possible. Le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, c'est de me faire jouer au hockey quand j'étais petit, parce que j'ai 41 ans aujourd'hui, puis je joue encore. On se levait le samedi matin, on déjeunait, puis on s'en allait à patinoire extérieure, puis on restait là tout l'avant-midi. On rentrait une demi-heure pour dîner, puis on y retournait l'après-midi. 8h moins 5, on savait que ma mère était pour crier. Ben là, revenez dans la maison, c'est temps d'aller se coucher, là. Bon, on en rajoute la nuit, mais tout le temps, t'es dehors. Là, suivez! Allez! Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que la seule différence entre un homme et un enfant, c'est le prix du jouet. Je suis toujours un éternel enfant quand je m'assois sur une motoneige. Puis je pense que je vais mourir comme ça. Parce que j'aime ça. Ben moi, pour moi, premièrement, c'est indispensable. Je serais pas capable de vivre un endroit où il n'y a pas d'hiver. Ouais, ça va, ça va. Oh! Oh! Je compte pas, il n'y a pas de gardien. Les champions. L'hiver est une saison difficile, une saison qui est marquée par le froid. Et le froid pénètre, le froid immobilise, le froid empêche beaucoup d'activités. L'hiver, ça vous prend du linge, ça vous prend de la chaleur. Il faut que vous combattiez pratiquement la nature pour réussir à survivre à l'hiver. Quand on est arrivé ici, les premiers habitants, ils ont dû survivre à l'hiver. C'était dur, les gens mouraient, c'était pas facile. On savait même pas si on allait se rendre au printemps. Tranquillement, pas vite, avec les années, on a réussi à s'adapter avec notre linge, avec les transports. Puis aujourd'hui, on est vraiment capable de jouir de l'hiver de A à Z. Les premiers loisirs d'hiver qu'on peut identifier, notamment patinage, raquettes, glissade. En fait, ça va être des moyens utilitaires, principalement des moyens de déplacement, des choses qu'on peut faire à l'extérieur, que les gens vont commencer à faire pour le plaisir. Il faut comprendre que les loisirs vont arriver avec les gens qui ont du temps. Dans la colonie française, notamment, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre d'avoir des loisirs d'hiver. Ça va aller, en fait, quand il va y avoir des générations qui vont être établies ici depuis longtemps et des générations de gens qui ont du temps. Donc, on parle surtout avec le 19e siècle, puis même, j'irais jusqu'à dire, le milieu du 19e siècle pour la plupart des loisirs d'hiver. Je pense qu'on a commencé davantage à en parler quand on est venu en ville. On parlait pas de temps libre à la campagne. On vivait à des rythmes beaucoup plus naturels. On a commencé à séparer les deux. On a eu du temps libre puis du temps de travail. Ça, je pense que c'est la grande révolution. Le loisir tel qu'on en parle aujourd'hui, il est né de ça. Mais il y a des pratiques d'aujourd'hui qui sont inspirées plus du travail d'avant, des siècles précédents, comme la raquette, par exemple. Oh! Ça va? Oui. Salut! On peut voir. Hey, c'est fun. Salut! Un bout. Ça va? Bon, oui. Moi, ma gang de chums, quatre fois par année, ce qu'on fait, on s'en va dans un refuge pour une nuit ou deux, dans le fond du bois. Pas d'électricité, un poêle à bois. On se fait de la bonne bouffe, on a du plaisir, on trinque une bonne bouteille de vin. Benoît Gilbert pratique la raquette depuis 25 ans et à chaque fois qu'il part en randonnée, il revit les plaisirs de son enfance passée à jouer dehors avec ses amis. J'ai une famille de 11 enfants dans le fin fond d'un rang au Témiscamingue, dans un village qui s'appelle La Tulipe.
L'hiver en Abitibi, il peut faire du moins 30, moins 35. Mon record, c'est moins 43. Pour nous, il n'y avait jamais de limite pour aller dehors. De toute façon, ma mère a dit à 11 enfants sur une ferme, allez jouer dehors. On partait tous, puis on courait dehors. 8h moins 5, on savait que ma mère était pour crier, ben là, revenez dans la maison, c'est temps d'aller se coucher, là. Bon, on en rajoute la nuit. On a tout le temps été dehors. On va réchauffer vite. Bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Okay, on est prêts? Ouais. J'ai une petite surprise pour vous autres. Oh. Ah. Bon. C'est chiant. Vas-y, allez. Oh, ouais, Benoît est un passionné d'histoire. Dans son travail au parc des champs de bataille des Plaines d'Abraham, il fait du tourisme d'apprentissage. Il accueille les visiteurs en personnifiant des gens marquants de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, Benoît a décidé d'enfiler le costume de son personnage préféré et de le présenter pour la première fois à ses amis. Oh ben, gars! Les nouvelles recrues! Oh ben, ben! Depuis le temps que je vous en parle, me v'là. Oh, le vrai Amédée! Amédée Fournier, oh, wow. Vice-président des amateurs de raquettes de l'Union commerciale en 1914. Oh, wow. Fait que là, un matin, avec l'Union commerciale, je vais vous montrer c'est quoi de la vraie raquette. Je vais vous passer, à vous autres, les créatures, chacun une paire de raquettes de babiche. Je vais vous donner ça, je vais vous donner une belle ceinture fléchée comme moi. Ça, je pense que c'est le détail. Une belle tuque ici, puis on va aller faire une petite promenade. OK? Cette visite-là va déterminer si vous allez faire partie de l'Union commerciale, le privé. Amédée Fournier, je vous dirais, c'est mon plus beau personnage. Il fait des courses de raquettes en babiche en 1914. J'ai été capable de joindre la passion et le travail. OK, on part. Et vous êtes. Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole, vole. Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole. Nos ancêtres ont tiré un parti l'hiver parce qu'ils l'ont intégré à leur vie. Ils ont fait que cette dimension de la froidure fasse partie de leur identité. Un Québécois, c'est une personne qui vit en hiver. Le hockey fait partie de notre culture. C'est pas seulement qu'un sport, c'est une culture. On a une culture du hockey. C'est parce que ça fait partie de notre identité. On fait une course? OK. Là, je te donne pas de chance. OK? 1, 2, 3, go! Daniel Blouin est un passionné de hockey. Et à chaque année, il entretient avec amour une patinoire extérieure pour ses enfants. Ben moi, j'avais pas une patinoire chez moi dans la cour artisanale. J'allais sur les patinoires extérieures de la municipalité, là, dans le parc juste à côté. J'aurais bien aimé ça d'avoir une dans ma cour comme ça. Là. Je trouve mes enfants très, très, très chanceux d'avoir ça. Chez les Blouin, la passion du hockey se transmet de père en fils et en fille. OK, c'est le... Faut que ta palette, elle se penche un peu comme ça, si tu veux qu'elle rentre comme en dessous de la rondelle. On va? C'est ça. Elle pas pantoute, faut la que tu transfères ton poids. Là, elle est fort. Lui, il y a des bouts qu'il se souvient pas, mais moi, je me souviens que lui, il a commencé à patiner. Il avait exactement 1 an. Puis à Limoilou, je sais pas, pour moi, il s'en souvient pas beaucoup. Il y avait chez les Prémont, deuxième voisin de chez nous, il y avait une patinoire en arrière. Nous autres, les petits gars de la 21e rue, ça se ramassait tous là. Puis après ça, ben, ça a été les arénas, les équipes de Limoilou, l'aréna Bardi dans le temps. Ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie, là, de jouer au hockey. J'ai tout le temps dit que le plus beau cadeau que mes parents m'ont fait, c'est de me faire jouer au hockey quand j'étais petit, parce que j'ai 41 ans aujourd'hui, puis je joue encore. Il y a une dizaine d'années, Daniel a eu l'idée avec un de ses amis d'organiser un tournoi de hockey à l'ancienne en plein air sur le lac Beauport.
C'est très, très basic, là. C'est patin, gants, tuque, un bâton, une puck. Il n'y a pas de gardien de but. C'est, on pousse la puck dans un petit but d'un pied de haut par trois pieds de large. C'est du 4 contre 4. Pas de mise en échec, pas vraiment de bandes, des petites bandes de neige, mais retour à la source. Vraiment comme c'était, ça devait être plusieurs dizaines d'années il y a longtemps. Là. L'idée de ce que j'appelle, moi, de cette renaissance là, du hockey à l'extérieur, qu'est-ce que les Anglais appellent « pound hockey », bien, c'est ça. C'est de reprendre un peu l'idée des patinoires de notre enfance. Tous les pères de famille dégageaient un peu de neige dans une ruelle ou en arrière dans une cour. C'était pour 3-4 voisins. C'était gros, ça avait peut-être 10 pieds par 15. Mais là, même les filles, tout le monde jouait au hockey. On jouait dehors tout le temps, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'aréna, fait qu'on jouait dehors. C'est là qu'on a appris à jouer au hockey. C'est pas comme aujourd'hui dans les arénas. Maintenant, les jeunes ne jouent presque plus dehors. On se levait le samedi matin, on déjeunait, puis on s'en allait à la patinoire extérieure, puis on restait là tout l'avant-midi. On rentrait une demi-heure pour dîner, puis on y retournait l'après-midi. On passait nos journées entières sur la patinoire. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Là. C'était un lieu de rassemblement, vraiment, les patinoires extérieures. Pour que l'hiver soit sportif, il faut d'abord que l'hiver soit festif. Parce que si on ne prend pas plaisir à la neige, au froid, bien, on ne pourra pas pratiquer vraiment de sport. Parce qu'il faut qu'on y trouve un milieu agréable, un milieu où on se sent à l'aise, où on ait le goût d'avoir du plaisir. Ça, on va sortir ça. Toi, t'es prêt? Oui. Veux-tu qu'on la débarque ensemble? Fais-tu mieux? Fais-tu mieux? Non, on va aller. C'est sûr qu'à la première neige, on est comme des enfants. Faut qu'on sorte nos machines. Il n'y a rien qui nous arrête. Quand on décide qu'on fait une randonnée, on l'a fait. Regarde, aujourd'hui, on n'a pas une température idéale, mais la neige comme ça, ça ne nous dérange pas. Là. Ça fait partie de l'hiver, ça fait partie de... C'est pour ça que ça existe, une boîte à neige, pour profiter à 100% de l'hiver. Bien, yeah, on est prêts! Julien Cabana est membre du club Le Sapin d'Or depuis plus de 30 ans. Il est tombé en amour avec la motoneige le jour où son beau-frère lui a prêté son bolide en 1972. Imagine, là, t'as 14 ans, tu vois ça passer, puis là, tu en as une dans tes mains. Là. Ça a été un thrill épouvantable. Là, je passais des journées à rouler dans le champ pas loin de chez nous parce que mes parents voulaient pas que j'aille trop loin. On pouvait tourner pendant des heures, puis on s'amusait, tu sais pas. J'étais comme un conquérant, si tu veux, qui battait l'hiver, là, tu sais, qui disait, hey, là, je t'ai eu, ma maudite, là, tu me feras plus peur, je vais aller partout et je vais me promener. C'est bon? On y va? C'est bon? C'est dans les mœurs, là, je vous dirais, d'une partie importante de la population. La Fédération de motoneigistes nous parle de 800 000 personnes qui font de la motoneige. Et là, ben, on a créé toute une industrie autour de ça, des haltes, des auberges, des restaurants, des services. Aujourd'hui, on a un réseau de pistes de motoneige entretenues, balisées, qui dépassent en termes de longueur le réseau des routes qui sont utilisées par les véhicules. C'est quand même important. Quand il y a eu le premier match de hockey, la petite histoire dit que les gens qui jouaient à ça, c'était des gens qui jouaient au rugby, puis que là, on leur avait mis des patins, et ça a fini par une bagarre générale. OK, bien, on pratiquait de reculons, OK? Oui. OK. Je regarde. Ah ouais, une main sur le bâton. OK, pousse avec tes deux jambes. Ah, oh, pousse. Croise les patins. Croise. Allez, pousse. Encore, on tourne. On croise ici. On sait que le patinage, ça se pratiquait dès la Nouvelle-France. Lorsqu'on regarde des actes notariés de l'époque, du 18e siècle, on voit que les gens ont, dans leurs inventaires après décès, ont laissé des patins. Donc, c'est comme ça qu'on sait que le patinage est extrêmement populaire.
On n'avait pas de patinoire, mais les gens patinaient sur des lacs, des étangs, sur le fleuve. C'était une activité qui était à la portée de tous parce qu'il y avait des surfaces glacées un peu partout au Québec. Alors, entre les années 1850 puis, je dirais, 1910, on construit des belles grandes patinoires à Québec, à Montréal, à Saint-Hyacinthe. Puis ces patinoires-là étaient très grandes. Écoutez, le Victoria Skating Rink à Montréal pouvait accueillir jusqu'à 5000 personnes. Ces belles patinoires étaient aménagées avec des lumières. Il y avait même un orchestre où les gens pouvaient aller patiner et s'amuser au son de la musique. C'était des endroits où les gens allaient patiner pour le plaisir, se rencontrer, se courtiser. Et c'était aussi à ce moment-là où on va organiser les premières parties de hockey telles qu'on les connaît un peu aujourd'hui. Le hockey, en fait, il y a plusieurs origines possibles. Il y a des sources qui disent que la première partie de hockey, ça serait déroulée au Grand Lac de l'Ours dans les territoires du Nord-Ouest. Mais à Montréal, aussi, on revendique la paternité du hockey. Et il y a des documents qui disent que le premier match de hockey dans une enceinte couverte s'est fait au Victoria Skating Rink. La petite histoire dit que c'était des gens qui jouaient au rugby, puis que là, on leur avait mis des patins, et ça a fini par une bagarre générale. Attends, on joue une vraie game. Là, on joue qui contre qui? Ah, OK. C'est OK, nous trois contre nous trois. OK. Un, deux, trois, go. C'est parti, mon kiki. Vas-y. Vas-y, Ben. Contourne, ah, contourne. Ouais, ça va, ça va. Oh. Oh. 1-0. Là, vous autres, vous êtes quelle équipe, vous autres? Ouais. Vous êtes les Nordiques. OK, on est les Canadiens. Vive la Canadienne! Vole mon cœur, vole, vole, vole! Vive la Canadienne! Vole mon cœur, vole! La raquette, à l'origine, permettait d'aller partout. Et les Amérindiens avaient inventé cet outil-là justement pour se donner de la mobilité. Et les Québécois, très rapidement, ont adopté. D'ailleurs, c'était un, je pourrais dire, un outil militaire aussi, parce que tous les régiments, tous les soldats, en hiver, traînaient leurs raquettes. C'était indispensable. On peut penser que c'est devenu vraiment un loisir vers le milieu du 19e siècle, parce que le premier club officiel s'est appelé, à Montréal, en 1850, le Montreal Snowshoe Club. Et Québec suit pas longtemps après avec la création du Québec Snowshoe Club. Les clubs francophones, ça va arriver plus dans les années 1880. Notamment ici à Québec, on a un excellent exemple avec le club des amateurs de raquettes de l'Union commerciale. OK, on va faire un petit peu de neige folle, suivez-moi. Amédée Fournier se trouve à être le vice-président du club des amateurs de raquettes de l'Union commerciale dans les années 1910. Chaque club avait sa couleur. Entre eux, entre clubs, il y avait des compétitions de raquettes. Benoît, dans le cadre de son travail de développement, il essaie d'interpréter Amédée. Et une des façons qu'il fait ça, en fait, c'est en prenant Amédée puis en s'inscrivant dans des compétitions de raquettes. Pour ces compétitions-là, modernes, je suis habillé en Amédée Fournier. La grande canadienne, ceinture fléchée, raquette de babiche. On est sur le départ comme tout le monde. J'ai ma puce électronique comme tout le monde. Let's go, je taquine tout le monde. Amédée Fournier dit qu'il est un champion, qui a gagné plusieurs compétitions. Ça fait rigoler les gens. Genre de façon originale et comique de faire connaître l'histoire. T'es prête? 1, 2, 3, go! Oh ben! Comment avec ça? C'est un peu d'allure. Hé, hey, là, Ben, on fait toute la journée avec ça, là, parce que...
Non, non, je voulais juste vous montrer ce que c'était, ce que je vivais au travail. Puis c'était intéressant de voir. Après ça, tes raquettes vont te paraître tellement légères. Ouais, ah, oh, ben, vu de même. Benoît, j'ai connu, ça fait un bon 8 ans, je dirais. Quand il est dans son personnage, on n'a plus accès au vrai Benoît. Bien difficile de faire sortir de son rôle. Bon, les créatures sur le dos! Je te dis, c'est un peu gênant pour l'union commerciale. Mais vous êtes. Wow! L'hiver, c'était un problème. OK, au Québec, il fallait le dire, c'était les chevaux avec les traîneaux, on remonte loin, là. Mais c'était le seul moyen de se déplacer d'un village à l'autre, souvent l'hiver. Et Germain Bombardier a eu le décès de son fils en hiver à cause d'une tempête, le médecin n'ayant pas pu venir, le fils est décédé. Lui, il s'est dit, jamais plus une personne au Québec va mourir à cause de ça. Il a modifié une automobile pour arriver à créer l'autoneige. L'autoneige, qui était une cabine, hein, qui ressemblait à un tank, là, une cabine avec des hublots, des patins à l'avant puis des chenilles à l'arrière, a été utile aux forces armées, a été utile aux forestiers, a été utile aux médecins aussi. Les chemins n'étaient pas ouverts partout. Si on parle dans les années 50, les chemins n'étaient pas ouverts partout. C'était les taxis. Ça faisait les taxis, ça faisait même l'autobus. Moi, je restais sur natif de Saint-Vériol, donc on voyageait avec des snowmobiles. C'était ni plus ni moins l'autobus, le snowmobile. Bombardier a eu l'idée de mettre au point l'équivalent de l'autoneige, mais avec une fonction individuelle puis un volume, un gabarit beaucoup plus réduit. Lui, dans sa tête, il voulait créer un véhicule de loisir. Fait que c'est là qu'il a commencé à travailler pour créer ce qui est devenu le fameux skidoo, qui a sorti dans les années 60, tout jaune avec les skis de bois, puis difficile, le carburateur dans le visage, tout ça. Ça a changé avec les années 70, 73. Hein? T'empêches-tu, il appelait ça le péril jaune. On voyait des motoneiges partout. Oui, ben pas de rien d'organisé. Il t'empêche. Il y en avait ça, toutes les portes. Toutes les portes. Tu te rappelles, les gens partaient de chez eux, t'en allais en auto dans une rue, whop, tu voyais arriver une motoneige chez un coin de rue. Je me rappelle, chez nous, jeunes, là, dans la famille, il y en avait 7 ou 8, je pense, des motoneiges. On se promenait d'une à l'autre. Là, pis... Les gens vite ont constaté qu'au-delà de la fonction utilitaire, la motoneige avait une fonction de plaisir. Fondamentalement, la motoneige donnait une nouvelle liberté. La façon d'aller jouer à l'extérieur, de se diviser entre nous, ça a changé quand les arénas sont apparus. As-tu décidé de nous voir rentrer? Il y avait une plaque de glace, puis j'ai décidé de mettre de la neige par-dessus. Ah, t'avais une bonne plaque de glace. Il y a de la glace, là, je vais mettre de la neige par-dessus, puis ça sera pas bien, bien long, je vais vous ouvrir ça, ça va pas passer. Okay. Il n'y a pas de problème, on va laisser travailler. On va laisser aller, on va rester là, pour pas que les gens... Vois-tu, il arrive juste là-bas, il m'a télégiste, ça fait qu'on va le laisser, on va le faire passer à côté tranquillement. Okay. On va t'aider un peu, là. C'est bon. Ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'âme même d'un club de motoneige. On aime rouler dans des sentiers comme membre de club. Il y a des bénévoles qui entretiennent des sentiers.
Si c'est ça une communauté, c'est une équipe, c'est une famille, en fait. On aime ça, on arrête, on discute ensemble. On a comme un petit, comme une gang de petits frères ensemble qui s'amusent avec nos jouets qui sont les motoneiges. Les clubs de motoneige voient le jour dans les années 1960. Le Sapin d'Or est l'un des tout premiers clubs à ouvrir ses portes. En prenant la motoneige et en lui donnant des sentiers, on venait d'éliminer tous les inconforts que créait la circulation un peu partout autour des villes, puis toutes les circonstances qu'on voyait, ou les cultivateurs qui voyaient leurs champs envahis par des gens qui avaient des motoneiges sans avoir eu la permission. Fait que là, il y a des gens qui ont réfléchi, puis qui ont dit, tiens, il faudrait se discipliner. Puis c'est comme ça que ça a commencé doucement. L'idée des clubs, regrouper les motoneigistes, se faire un parcours à eux indépendant, localement. Puis là, avec le temps, ça s'est répandu comme nouvelle, comme principe. Puis là, c'est là qu'on a vu augmenter partout au Québec les clubs. Puis ça a fini par faire la fédération qu'on connaît aujourd'hui. Le soleil commence à sortir. Ouais. T'es chanceux, hein? Attention, il y a un peu de glace. C'est beau, par exemple. Ah, oh, ça a l'air beau, ça. On a resté ici, là, ouais. Pour la collation. J'ai vraiment une fringale. Toi, là, à Médée, dans le temps, là, ça se faisait-tu comme ça? C'était-tu comme plus social que... sportif? C'était du business. Oui. C'est souvent en ville. Qu'est-ce que ça veut dire, du business? C'est une place plus pour réseauter. C'est vraiment pour faire un club social. OK. Puis faire du sport, faire du business, manger, boire. Ouais, OK. C'est comme dans le fond, comme les parties de golf maintenant, eux autres, ils faisaient du PR en raquette. C'est ça. Les clubs de raquettes, ça va être le moment où on va se rencontrer, où on va se parler de notre vie, de comment les choses vont. En effet, ça peut devenir le moment où on va se parler d'affaires. À l'intérieur de l'Union commerciale, bien, ce sont différents commis qui se rencontrent, qui vont échanger sur différents aspects du commerce dans la ville de Québec. Donc, c'est certain que ces gens-là, on peut pas enlever le commis du racketteur. Dans les marches, vous avez chansons. Ça, c'est important. On chante, on joue de la musique, même des fois, selon les clubs, selon les randonnées. Donc, ça, c'est vraiment, là, c'est des événements. Quand les clubs de raquettes sortent, c'est des événements. Ça va rester des choses qui vont marquer l'imaginaire des gens, là, de façon constante, presque jusque dans les années 1960, en fait. Là, c'est quoi le score, là? 1-0. Oh, oh. À l'île d'Orléans, moi, nous autres, on commençait sur des étangs gelés. Je me souviens, l'étang en face de la maison, la rue, une des vieilles maisons de Saint-Jean, là, il y avait un étang, puis dès que l'automne commençait puis que l'eau gelait, les petits gars du coin, là, on allait sur l'étang. On était un groupe d'amis, puis là, on se faisait deux équipes. Tout le monde sur la patinoire, puis tout le monde en rondelle, puis là, ça joue. Laissez-le. L'évolution qui s'est faite, là, la façon d'aller jouer à l'extérieur, sur une patinoire extérieure, de se diviser entre nous, ça a changé quand les arénas sont apparus. On a commencé à pouvoir aller jouer sans les aléas de la température. Puis parallèlement à ça, bien là, le hockey mineur, par exemple, le hockey a structuré, prenait sa place. On sortait de la ruelle, on sortait de la patinoire où les plus grands réussissaient à tasser les petits pour faire une partie. Puis on a commencé à structurer puis à organiser ces choses-là. Au fil du temps, la popularité du hockey organisé n'a cessé d'augmenter.
On compte aujourd'hui plus de 100 000 joueurs et joueuses de hockey mineurs au Québec, répartis dans plus d'une centaine d'associations régionales. Mais le hockey à l'extérieur, lui, est devenu une activité de moins en moins pratiquée. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus les hivers qu'on avait. Tu sais, quand j'étais jeune, on commençait à jouer dans les patinoires extérieures à la mi-décembre, puis aller jusqu'à la mi-mars, là, c'est bien rare que les patinoires n'étaient pas ouvertes. Aujourd'hui, les patinoires sont ouvertes une semaine sur deux parce que les conditions sont pas toujours propices. Fait que le hockey extérieur, évidemment, c'est presque disparu de nos mœurs. Je pense que participer au tournoi de pente de hockey, c'est de revenir chercher ce sentiment-là. Moi, je pense que les gens qui aiment ça, ça leur rappelle leur enfance. Ça leur rappelle jouer sur des glaces dans leur village. Ça leur rappelle jouer sur des lacs même qui sont gelés. Jouer au hockey dehors sur un lac, c'est un naturel au Canada et dans les pays nordiques. C'est comme si, par exemple, en ski, on avait toujours fait du ski dehors. Et à un moment donné, dans l'époque, il y avait fait des centres de ski intérieurs dans les arénas et on s'était tous mis à faire du ski intérieur. Et là, dernièrement, on se remettait à refaire du ski dehors puis trouvait ça sympathique de faire du ski en plein air. Mais le hockey sur le lac, c'est exactement la même chose. Je pense que d'abord, premièrement, c'est le fait de te retrouver dehors, en chum. C'est quand même une belle activité. Mais je pense que c'est juste le thrill de jouer au hockey comme ça se faisait, comme le hockey est né, dans le fond. Puis année après année, bien, les gens aimaient ça. Les équipes voulaient s'ajouter au tournoi. Puis en 10 ans, bien, on est passé de 2 à 25 patinoires et de 12 équipes à une centaine dernièrement. Même que là, ça vient des États-Unis, de la Suisse, de l'Amérique centrale pour jouer avec nous autres sur le lac. Ça, ce qui me dépasse encore aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non. Ah, faut faire un début, là. Ah ouais. Oh. Oui. Accrochage, okay. Ancienne punition. Ah ouais, amène la tagarnotte. Oh, c'est bon! C'est bon, Ben! Plus ça va en technologie, moins c'est difficile physiquement de faire de la motoneige. Ça va pas de bain. Le bain, là, c'était une planche avec du cuir dessus, là, c'était rien. Et les skis à l'avant, là, quand on tournait, ils restaient fixes. Fait que c'est ton corps que tu devais pencher pour vraiment être capable de prendre une courbe. Wouhou! Là, suivez! Allez! Forcez un peu! Ce qui est fun avec la raquette, là, c'est que fasse moins 20, moins 30, on a toujours chaud. Maintenant, il n'y a pas de limite. Ça, il fait peut-être moins 15, avec ressenti, moins 25. Mais j'arrive d'une expédition à Noël, au jour de l'an. Faisait peut-être moins 25, ressenti moins 35. Gros sac à dos, aucun problème. Ouais, j'ai même chaud. Ouais, vas-y, là, laisse-le pas aller. Jouer au hockey dehors, là, c'est sûr, le temps s'arrête. Ah! Pas de but! Tu joues au hockey, tu penses à rien. T'es dans ta tête, t'as juste une chose à focusser, c'est la puck. Puis t'es au plein air, c'est vraiment le paradis, c'est le bonheur et le top 1. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que la seule différence entre un homme et un enfant, c'est le prix du jouet. Je suis toujours un éternel enfant quand je m'assois sur une motoneige, puis je pense que je vais mourir comme ça. Parce que j'aime ça. Faut vivre avec l'hiver. On vit au Québec. L'hiver est là. T'as deux choses. Tu te chicanes ou tu l'acceptes, puis t'essayes de rendre le mal le moins pire possible. Au début, la motoneige, c'était des moteurs de 10 forces avec un cornet que tu voyais en avant de toi. Ça, c'était le carburateur. Quand tu voulais le carburateur, t'envoyais
l'espèce de fiume ou de boucan, appelons ça comme on voudra, tu respirais ça toute la journée. T'avais aucune suspension à l'arrière. C'était juste, c'était des bogies qu'on appelle des slides avec des bogies, des roulettes, en fait, avec une chenille. Fait que t'avais pas de bain. Le bain, là, c'était une planche avec du cuir dessus, là. C'était rien. Et les skis à l'avant, là, quand on tournait, ils restaient fixes. Fait que c'est ton corps que tu devais pencher pour vraiment être capable de prendre une courbe, c'était ton corps. Et comme c'était pas fait pour aller dans la neige épaisse, très souvent, si tu sortais d'un sentier battu, pouf, là, c'était « Astor, mon ami, sors-toi de là. » Et après ça, là, on avait arrivé, Article 4, Yamaha, qui sont arrivés avec des machines qui commençaient à avoir un peu de technologie. Les suspensions indépendantes sont arrivées dans les années 73-74. On a vu les premiers balbutiements. Puis c'est un bonhomme que bien des gens connaissent qui s'appelle Gilles Villeneuve, le fameux coureur de Formule 1, qui avait déjà le génie de la mécanique. Donc, il a commencé à sortir des adaptations. Il a créé une motoneige avec deux chenilles, la motoneige à deux ponts. Et il s'est présenté dans une course avec ça. Il y avait deux skis à l'avant, mais il était assis comme dans une Formule 1. Il ne voulait pas le laisser partir. Ils ont dit, c'est pas de motoneige par rapport aux autres. Puis ils ont fini. Lui, il a prouvé que c'était de motoneige. Mais déjà, il y avait la conduite était différente. Et il est venu tranquillement qu'à créer vraiment là, un principe de suspension. Là, on a commencé à avoir des amortisseurs sur les skis, des guides pour permettre à ta... C'était vraiment différent parce que souvent, les bras, t'avais souvent des coups sur les bras. Tu sais, ça, tu pouvais souffrir un peu des épaules, ça. Là, avec ça, c'est que souvent, l'amortisseur à l'avant, c'est lui qui mange le coup, c'est lui qui... Fait que ton corps, plus ça va en technologie, moins c'est difficile physiquement de faire de la motoneige. Ouais, ben, c'était beau, mon ami. C'était beau, vraiment beau. C'est fun. Très belle journée. Ah ouais? Et là, chercher la pote. Wayne Gretzky en arrière du but. C'est sûr que j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, avoir accès à l'équipement qu'on a aujourd'hui. C'est sûr que dans ce temps-là, les patins, par exemple, là, c'était pas des bottes solides comme c'est aujourd'hui. Fait que il y a beaucoup de jeunes comme moi qui patinaient sur la bottine, là, parce que si t'avais pas les chevilles fortes, le moindrement. En plus, moi, j'avais les pieds bombés, fait qu'il fallait toujours attacher les patins très serrés pour qu'ils tiennent bien. Fait que ça faisait couper un peu la circulation du sang. Fait que j'avais toujours les pieds gelés quand j'étais jeune. Là. J'ai souffert le martyr. Là. Je me rappelle d'avoir pleuré ma vie là, après des parties de hockey, là, parce que quand on enlevait les patins, là, les pieds, ça picotait. Là. C'était l'enfer. C'est pas tout le monde qui avait le moyen de s'acheter des équipements. Alors, on se les faisait, les équipements. Par exemple, des journaux. Tu rentrais ça dans ton pantalon, t'attachais ça, ça faisait une paire de jambières. Les épaulettes, on rembourrait ça avec des tissus et toutes sortes de choses. Les coudes, bien, on n'avait pas de coudes. Let's go, les filles. C'est pas un petit gars de 9 ans qui va nous donner une leçon. Enlève-lui, hein? enlève-lui. Oh! Ouais, ouais, ça va, ça va. Oh! Je compte pas, il n'y avait pas de gardien. Les champions. On arrive dans 5 minutes, à peu près. Cool. Je sais pas. L'âge d'or de la raquette, je mets ça jusque dans les années 1960. Au début des années 1960, ce sont les derniers congrès internationaux de raquetteurs qu'on va voir. Quand je dis congrès internationaux, c'est des rencontres de raquettes, entre autres avec des clubs de la Nouvelle-Angleterre, de l'Ontario, du Québec, qui se rencontraient. Puis vraiment, on se rendait compte qu'à ce moment-là, la raquette, ça devenait un sport qu'on trouvait un peu ringard, qui nous faisait penser à nos parents, à nos grands-parents. C'était un sport quasiment qui était d'une autre époque. La raquette, quand j'étais jeune, c'était Kéten, c'était Asbin. Celui qui sortait sa raquette de babiche dans le fond de son garage, là, on riait de lui. Quand on est arrivé avec des produits en plastique, en aluminium, avec une raquette beaucoup plus légère, surtout, là, on a tranquillement, pas vite, revu une sorte de regain, une sorte de retour vers la raquette.
Oh, wow! Hey, il est super beau, notre refuge! Aujourd'hui, la raquette, c'est en aluminium. C'est en fil de verre. Le harnais se met en 3,5 secondes. Ça pèse rien. Hey, wow! La vue, là! Wow! Wow! Ben, ça valait le coup. Ouais. C'est beau. Mmh. Belle rando. Ouais. Ben, c'est un de nos beaux spots, ça. Ouais, vraiment. OK, là, le plan de match, là, vous en allez dans le fond puis vous faire la basse. Ouais. OK, j'en ai en arrière de Ben. OK? Je suis à droite. Foncez. OK, tout le monde. Let's go. Prochain but, il gagne. OK, Ben. On marque ça. Let's go, ça. Vite, vite, vite. Et ça a presque marché. C'est ça. Oh, Madeleine! Oh, c'est beau, Madeleine! On l'a eu! Pas grave, on l'a eu! Excellent. Vous avez bien joué, mais pas assez. Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, dans... j'ai réalisé autour de 40 ans que ma vie tournait pas mal autour du hockey. Sans m'en rendre compte, sans le vouloir consciemment, mais je veux dire, je joue au hockey 2 fois par semaine. Mon gars, je suis avec mon gars 2-3 fois par semaine, pratique match. On regarde le Canadien 2-3 games par semaine. Je travaille sur le tournoi du lac Beauport. Oh! Oh! Sinon, on joue mini hockey dans le salon, on joue au hockey sur la Wii. Ma vie, c'est pas mal 100% hockey. Hey! Hey! Il est difficile de concevoir un Québécois comme étant une personne qui ne vit pas en hiver. L'hiver nous identifie. L'hiver marque notre façon de voir la vie individuellement et collectivement. C'est pour ça que je dis que c'est plus qu'une saison, c'est un mode de vie, c'est une culture. La grande sagesse des Québécois, ça a été de pas essayer de dominer l'hiver, parce qu'on ne dominera jamais l'hiver. T'as pas de journée, ben, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, oui, on va faire de l'hiver un partenaire de vie. Oui, on va en faire quelqu'un qui va appartenir à nos valeurs. Et on va s'adapter à ses conditions. Faut décider ce qu'on va maintenant. Ouais. Là, ça qu'on a fait notre journée. Ce qu'on va faire la prochaine, là? On va sur le lac faire la porte ouverte? Ouais, moi je vais. Moi je vais. Moi je vais. Là, on va voir ça. Ça fait qu'on va descendre avec les autos jusqu'à Chicoutimi, mais on va partir de là. C'est ça. Dans votre neige, j'ai fait en sorte que les Québécois ont découvert leur nature en hiver. Ça nous amène voir l'arrière-pays, des décors, des points de vue, des belvédères. On voit des choses fantastiques qu'on ne verrait jamais autrement qu'en votre neige. Je suis pas quelqu'un qui fait énormément de haute vitesse. Je maintiens une vitesse en sentier de 60, 70, parce que j'aime admirer, j'aime voir des choses. C'est tellement beau l'hiver. Si tu l'as pas vécu, les gens peuvent pas comprendre. Quand il fait froid, la machine cille, on porte, ça siffle, le vent siffle. C'est dans mon sang, c'est dans mes veines. J'adore m'asseoir là-dessus. Puis rouler, 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 j'aime ça. Manger des kilomètres dans le sentier, j'aime ça. C'est comme une maladie. T'as ça dans le sang, puis c'est fini. On s'est approprié l'hiver davantage parce qu'on a les instruments pour le faire. On est plus victime parce qu'on a les instruments, on a le contexte organisationnel, le temps aussi. Et dans ce sens-là, on est capable maintenant d'avoir la partie agréable de l'hiver, tout en se donnant des défis dans le vent, dans le froid, etc. Imaginez. Vous avez fait 12, 15 kilomètres, 60 livres sur le dos, gros sac à dos. On arrive au refuge. Le refuge commence à chauffer la place. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une bonne bouteille de vin. Amédée, 100 ans plus tard. Amédée! 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 On est entre amis, on est fatigués,
mais bien, on est perdu dans le bois. L'extase. Bien, moi, pour moi, premièrement, c'est indispensable. Je serais pas capable de vivre à un endroit où il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'automne, pas de printemps. Je trouve ça plus beau ici l'hiver que l'été. Curieusement, pour probablement bien du monde, moi, j'adore l'hiver ici.